Salut tout le monde, c'est ZDRK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online pour pouvoir avoir des super sportifs gratuitement grâce à des missions. Donc, pour commencer ce glitch, ça marche avec toutes les missions. Donc, si vous voulez avoir les mêmes véhicules que moi dans la vidéo, vous devrez tout simplement appeler Simone et vous devrez lui demander de l'activité. Et donc, normalement, avec de la chance, il vous donnera une mission qui s'appelle œuvre de charité. Donc, après, comme je vous l'ai dit, ça marche avec n'importe quelle mission. Donc, vous aurez juste à héberger une activité et dans les missions. Et là, vous prenez celle que vous voulez et surtout celle où il y a des véhicules assez rares et assez chers. Donc, une fois dans une de ces missions où il y a des super sportives ou des voitures rares ou que vous voulez avoir, et ben vous devrez tout simplement jouer la mission. Et donc, et ben moi, comme je vais vous le montrer dans la vidéo, et ben j'ai dû me retrouver à l'endroit pour voler des véhicules et j'ai choisi une espèce de Rolls Royce. Donc, je suis rentré dedans et je l'ai gardé. Donc, moi, j'ai dû semer la police pour être tranquille. Et mon ami, et ben lui, il a dû ramener les véhicules au concessionnaire de Simeone. Et donc après, et ben la mission s'est terminée et vous allez pouvoir voir que j'ai pu garder le véhicule même en mode libre. Donc comme je vous l'ai dit, ce glitch marche avec toutes les missions. Donc la mission aussi où vous pouvez avoir la cheta gratuitement, sauf je ne me rappelle plus du titre de la mission. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir avoir des chetas, des super sportifs de ce genre là, ou des véhicules rares et assez chers comme moi j'ai eu ma Rolls Royce. Donc une fois que vous avez terminé la mission et que vous êtes toujours dans votre véhicule, et ben arrivé à l'écran de vote, et ben là vous devrez quitter l'écran de vote et vous allez donc vous retrouver dans un mode libre avec votre véhicule qui était dans la mission. Et donc déjà vous aurez le véhicule gratuitement, mais par la suite pour l'avoir dans son garage c'est vraiment très simple. Donc vous devrez inviter votre ami pour qu'il soit avec vous dans la session. Vous devrez bien placer votre véhicule à l'entrée de votre garage et par la suite vous allez rentrer dans votre garage. Et donc une fois dans votre garage, vous allez rentrer dans un véhicule qui ne vous sert à rien et qui va être remplacé par celui qui se trouve dehors. Donc une fois dans ce véhicule là, vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez aller dans les activités rapides et vous allez aller dans rejoindre liste. C'est une option qui se trouve tout en bas. Et donc une fois que vous êtes dans l'option rejoindre liste, et ben là ils vont vous poser la question vraiment. Et une fois qu'ils vous posent cette question là, vous allez devoir appuyer sur croix et rapidement après R2. Et normalement vous allez donc avoir le chargement de GTA 5 online, mais en même temps vous allez pouvoir entendre les portes de votre garage s'ouvrir. Et donc une fois cela fait, vous allez donc vous retrouver dans l'accueil de l'activité. Et là vous devrez quitter l'activité et donc vous allez vous retrouver dans votre garage sans être dedans. Donc ça fera vraiment pas mal de bugs. Et donc arrivé ici, vous devrez très rapidement courir vers la voiture qui se trouve juste en face de votre garage et vous devrez très rapidement rentrer dedans. Et donc une fois rentré dedans, vous aurez pas mal de bugs de cinématique et déjà le véhicule sera donc assuré, donc il sera à vous. Et par la suite, et ben vous allez pouvoir l'emmener à Los Santos Custom, le modifier et faire ce que vous voulez. Et vous allez même pouvoir peut-être le vendre plus tard. Et aussi si vous avez le même bug que moi dans la vidéo, donc le véhicule était assuré mais je pouvais pas le rentrer dans mon garage, et ben vous devrez tout simplement rentrer dans votre garage à pied, vous sortez avec n'importe quel véhicule et par la suite vous rentrez dedans et votre véhicule y sera. Donc voilà, je pense à peu près avoir tout dit pour ce glitch. Il est vraiment hyper simple et vraiment très avantageux pour avoir des super sportives ou des véhicules assez rares gratuitement. En tout cas j'espère vraiment qu'il vous aura aidé et surtout qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce vert, ça me fera extrêmement plaisir. Au passage, n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur Twitter et sur Facebook. Les liens seront dans la description de cette vidéo. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très bientôt sur ma chaîne. Et ciao tout le monde, bye.